bien, salut tout le monde, c'est Mister B-Boy 45. Comment allez-vous les amis? Moi ça va très très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 11 de notre incroyable aventure sur God of War Ragnarok. Et on avait libéré Tyr, le géant évidemment. Et là il se passe quelque chose de fou, d'où cette musique incroyable. N'oubliez pas la 4K 60fps, un petit truc à boire et à manger. Et préparez-vous parce que ça va swinguer. Il y a des gardes qui viennent du ciel pour m'éclater la gueule. Et ça... c'est tout ce qu'on aime. Hop, bim, bam, et bim, bam, boum, c'est tout. Voilà, je voulais dire boum, mais il n'y a pas eu le dernier coup, et ça, c'est bien triste. Alors, ici, on n'a rien, on n'a pas de bateau, donc on ne peut pas s'échapper par là. Je pense qu'on va devoir prendre ce portail et s'abriter peut-être chez les nains, voilà, histoire de voir un petit peu. Parce que là, on est avec Tyr, hein, il nous suit, évidemment, et ça sent pas bon. Enquête de Tyr, terminé. Let's go. Yggdrasil, cela faisait si longtemps. J'avais oublié la beauté. Tyr, dans tes voyages, as-tu entendu les géants parler de Loki? Je regrette, mais ce nom ne me dit rien du tout. Les géants étaient un peuple réservé. Je comprends. Avec un peu de repos... j'ai toujours envie d'aller à droite, je ne sais pas pourquoi. Il n'y a rien là-haut? Attendez, parce que sur un malentendu, il y a peut-être une dingue. Ou alors on fait le tour, je ne sais pas. Mais c'est infini, je crois qu'on fait le tour. On fait totalement le tour, c'est incroyable. C'est incroyable, on fait totalement le tour, ok. Enfin, en tout cas, j'ai l'impression d'avoir déjà vu ça. Je me trompe peut-être. Non? Je sais pas. Je fais une grave erreur là, je m'aventure peut-être trop loin. Non, on a totalement fait le tour, très bien. C'est un grand tour, c'est un grand cercle. On sert sur une sorte d'arbre. C'est une maison arbre. Seigneur Tyr, tu es bien vivant. Le suis-je? Pas sûr. D'accord. Il est fatigué. Je lui ai promis à manger et une chambre pour se reposer. Ah, évidemment. Bon, je vais voir ce que je peux faire. Entre, je t'en prie. On arrive tout de suite. Et ben ça alors. Tu veux me parler, Atreus? Atreus? C'est bizarre, Alors, on peut discuter de ce qu'on va faire ensuite? Beaucoup d'éléments sont à prendre en compte. Nous en parlerons demain matin. Oh, d'accord. Demain, alors. On ne bouge pas! C'est beaucoup mieux, merci. Tu vois? Bonne nuit, Tyr. Je vous laisse. Grosse journée demain. Bien, Tyr. Je crois que des promesses ont été faites. Voyons où nous pouvons t'installer, d'accord? Si tu veux bien me suivre. Hé! Viens donc voir ce que j'ai à te proposer! Je suis sûr qu'on ne dérangera personne ici. Tant que je trouve un endroit. Ok. Bah, qu'est-ce que t'as à me proposer? Pas grand-chose, hein. Pas grand chose, mon petit ref. En tout cas, par rapport à ce que j'ai équipé. Flamme du chaos, mais j'en avais pas trouvé une, wesh. Bizarre. Bizarre. Et là. Ah, on peut améliorer ceci. Ça me paraît pas mal, ça. Hein. Attends. Attendez, d'où Jésus, je l'avais oublié. Ok. La vache. Ok, je peux me fabriquer ça, donc vaut mieux que je prenne ça, non? Fabricable. En vrai de vrai, non? Niveau 2. Let's go. Rien à péter, je me le fais. La vache, je suis bon ou pas? Ok. Tout est fabricable. Ça, c'est stylé aussi. Allez, on fait. Parfait. Ok. Allez, on se l'améliore. Pas ça mal. Regardez ton corps en un seul morceau. Ok.
Ok. On peut se l'améliorer aussi. Faisons les fous. Je suis beau ou pas? On peut se l'améliorer aussi. Très bien. Avec ça, t'auras pas une seule égratignure. Ok. Ça me paraît presque pas mal. Alors c'est tout ce qu'il reste de tir, hein? Là d'où je viens, on aurait dit qu'il en a vraiment bavé. Comme nous tous. Ok. T'es un vrai bout en train, toi. Alors, ressources, ça, on a déjà. Et vendre. Je peux vendre des trucs en vrai. Est-ce que c'est bien de vendre? C'est ça la question, en fait, que la France se pose, les poèmes, tout ça. Vous voyez ce que je veux dire? Épaulier. Oh là, il y a trop de choses. Attendez. En vrai, de vrai, il y a beaucoup trop de choses à faire ou à voir. XP de Kratos pour ma rage. Des chaînes sur vos ennemis. Oh, c'est terrible. Ok. Attendez. Ah putain, là, ok, l'XP est partagé. Très bien. Très bien. Prends. Et Atreus est déjà full. C'est dur, hein. C'est dur parce qu'on a beaucoup de choses. C'est compliqué, hein. Ah ouais, mais j'avais oublié aussi l'armure d'Atreus, c'est terrible. Et donc, je suppose... Oh là là. Alors, attendez, parce qu'il se passe beaucoup de choses. Et l'armure d'Atreus, par contre, je peux pas la modif. Très bien. Bon, finalement, il se passe beaucoup de choses, mais on a fait tout ce qu'on avait à faire. Superbe. Eh bien, écoutez, direction la suite de notre aventure. Peut-être que j'arriverai à dormir cette nuit. Dormir vraiment. Du sommeil d'un homme libre. Que l'œil d'Odin ne viendra pas troubler. Ok. Compliqué cette histoire, hein. Même si Odin, il est pas censé pouvoir venir ici, ça sent pas bon, hein. Ça sent pas bon. Qu'est-ce qui te tourmente, mon frère? Je réfléchissais. J'aimerais que tout redevienne comme avant. Eh bien, j'aimerais pouvoir grimper aux arbres. Pourtant, il ne faut plus y compter. Je regrette qu'Atreus soit si... impatient. Je crains pour sa sécurité. Je sais, mon frère. Mais le tenir en laisse ne le gardera pas du danger. Le petit semble résolu à commettre ses propres erreurs. Et je n'aime pas l'admettre, mais je crois que Tyr en est une. Je n'ai jamais vu un homme à ce point dévasté. Sa peine est récente. Tu lui en demandes trop. Oui, peut-être. Dommage que Freya veuille ta mort. Elle serait une alliée de choix. Ce n'est pas une option. Non, tu as sans doute raison. Tu as du mal à dormir. Ah chut. Ça va pas de me faire peur comme ça. J'ai quelque chose à faire à Midgard. Quoi? Sans moi? Je croyais que nous faisions équipe. Évidemment, mais... je savais pas que t'aurais envie de venir. Je rends visite... à une amie. Oh, je vois. Ou alors, tu pourrais rester tranquille, sachant qu'elle est déterminée à te tuer. Elle ferait jamais ça. Écoute, je trouve ça formidable que tu vois le meilleur en chacun de nous. C'est merveilleux. Et j'aimerais que tu continues sur cette voie en évitant de te jeter dans la gueule du loup. On a besoin d'elle. Ça vaut la peine d'essayer. En es-tu sûr? Ok. Que dirais-tu d'une alternative? Bien moins risqué, mais qui t'apporterait peut-être quelques réponses. Qu'est-ce que tu veux dire? Cela implique un ami que tu n'as pas revu depuis longtemps. Un très, très grand ami. Jormungandr? Tu l'as trouvé? Et si je te montrais?
Puisque c'est sur notre route vers la déesse vengeresse qui veut ta mort, cela nous laissera le temps de décider de ne pas y aller. Alors, tu sais où est Freya ? Non, non ! Enfin, si ! Mais écoute, commençons par aller voir le serpent. Et ensuite, je ne t'emmènerai pas voir Freya. Ça te convient ? De vieux amis, ok, on joue Atreus, what the fuck ? Utiliser l'accès mystique. Ça sent presque pas bon, ça, hein. Ça me fait peur, hein. Ok. Ravi de voir que tu as ta clé d'Yggdrasil. J'ai dû oublier la mienne en sortant. Tu ne supportes déjà plus tes invités ? Pardon ? Non, j'ai besoin d'un peu d'air frais. C'est tout. Pour ce qui est du frais, tu vas être servi. Devons-nous faire un saut chez toi avant d'y aller ? Ton ami poilu se joindra-t-il à nous cette fois ? Oh. Non, je voulais te le dire. Fenrir est mort. Oh, je suis désolé de l'apprendre. Pour un loup, il était toujours très propre. Merci. Je te prendrai bien dans mes bras, mais mieux vaut éviter des traumatismes inutiles. Ok, je l'ai senti quelque chose de terrible près de la tour d'Elheim. Tu te souviens comment y aller ? Oui, juste après les rameurs. Il y a l'éclair qui a été mais gelé. Mais c'est ça qui te fait dire que le serpent monde n'est pas loin ? Je sais ce que j'ai senti. D'accord. Il s'est passé pas mal de choses, et j'ai besoin de réponses. Ok. Ah, forcément. Et ouais, je suppose que c'est partagé tout ça. Ah ouais, ça va être chaud. Ok, ça va être chaud de ouf. Donc il a... Les gars, je sais pas combien de temps on va jouer à Atreus, mais ça fait presque peur. Un coffre ? Pas facile, hein. Tais-toi ! Ok. Comment on fait, là ? Comment qu'on fait ? Eh bien, ça n'explosera pas tout seul. Alors, que s'est-il passé ? Okay. Père a dit que j'ai lancé un sort à la mort de Fenrir. Mais je ne sais pas de quoi il parle. Magie accidentelle ? Voilà qui est troublant. Ok, ça ne peut rien y faire. Il n'y a pas que de la magie accidentelle. Je me suis changé en ours. En ours ? Elle est grave et tout. Oui. Mais j'ai perdu le contrôle. Freya connaît la magie mieux que quiconque. Elle pourrait m'aider. C'est pas la magie des... D'accord, Sindri. On va le faire à ta façon. Un énorme serpent venimeux, c'est bien moins dangereux. Ok, reste de bête et cuir. Qu'est-ce qui va se passer, les gars? Ça fait trop peur. Ça fait trop peur. Ça me semble trop facile que ce soit trop facile. Ok. Au moins, on ramène de l'argent à la maison, normalement. Si du moins un jour on rentre à la maison. Dessus, je vois la pierre de sang. Ok. Ou pas. Très bien. Je suis vraiment pas serein. Qu'est-ce qu'il veut ? Oh, il a un petit bonnet en mode Père Noël. Comment le bras de la statue de Tyr est arrivé là ? Trouve un moyen de passer et je te le dirai. Je m'en charge. C'est bien de la pierre de son. Mais la voie est toujours bouchée. Et je ne vois rien d'autre de ce côté. Une minute, je vais regarder autour. Je crois qu'il me faut un autre angle. J'arriverai jamais à soulever ça. Tu veux bien m'aider ? Ne compte pas sur moi. Va savoir où ça a traîné. Ok. Alors laissez-moi regarder tout cela. Ça, là ? Oh, ben non. Ça paraît bien trop beau.
bien le parc. Non. Alors là, les seins m'en tombent. Qu'est-ce qui peut bien se passer? Pour moi, c'est rond, hein, mais non. What the fuck? Là? Ah, ok. Ah. D'accord, ok, ok, ok. Fallait avancer ton... Très bien. Mon père avait une tête de sang envers Thor. Il l'a remboursé. Waouh, c'est passionnant. Dis-moi, est-ce que ça risque de se reproduire? Je veux parler de la transformation en ours destructeur. Aucune idée. On a de la compagnie. Je peux compter sur toi? Si tu crois que je toucherai à ces boules de crasse... Qui a dit que tu devais y toucher? J'aime cette manière de penser. D'accord. Bon, faut y aller! Tiens le feu! Ok, c'est quoi ça? Ok, pas mal. Pas mal! D'accord. Pas mal. Et lui, ça l'achèvera pas, mais c'est pas mal. Ok. Ok. Ça va redonner un petit peu de vie. Allez. Ok. C'est pas mal du tout, hein. C'est pas mal du tout. Ok. Let's go. Allez mon pote. Ah viens hein. Merci d'avoir sacrifié tous ces objets de ton sac à malice. Tu avais grandement besoin d'aide. Si tu le dis. Ok, 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 ok. Mais ça on sait toujours pas ce que c'est. On ne sait toujours pas ce que c'est. Oh. On sait jamais. Merci. Alors. Je crois que le mécanisme est cassé. Ok. Qu'est-ce qui va se passer là? Tu dois pouvoir le réparer, non? À moins que ton frère soit le seul à avoir du talent. Faut voir. Ton père est-il le seul à être fort? Si je dis oui, tu sais que ça confirme que seul Brock a du talent. Oh. Ah oui! Oh putain! Voilà! Belle poche, hein! Allons-nous-en. Pourquoi tu t'inquiètes autant aujourd'hui? Parce qu'il faut que je protège les personnes auxquelles je tiens. Éviter qu'il leur arrive du mal. Freya ne me tuerait pas. Et le serpent monde n'est sans doute même pas dans le coin. En plus, il m'aime bien. Il ne m'a mangé qu'une seule fois. J'avais choisi d'effacer ce souvenir de ma mémoire. Voilà, nous y sommes. Ok. Il est parti, tu vois. Ça dépend. As-tu essayé de l'appeler? On est allé souffler dans la corne. Ce n'est pas de la corne dont je parlais. Yormuteyum! C'est nous! C'est pas bizarre du tout. Attention!
ce que tu vas dire ? On ne voudrait surtout pas te retenir ! Efficace. Le bois de fer ? Qu'entend-il par là ? Qu'on aurait dû rester chez nous. Rentre, tu veux ? Alors, de vieux amis. Oui. Tu veux t'en approcher ? Non. Ça sent pas bon. La porte est gelée. Peut-être que je peux. Oh bah la vache ! Sacré arc en bois, hein ! Tu veux bien me laisser faire. Vas-y, bibiche. Alors, quel est ton plan, au juste ? Approcher le vieux conseil des Valkyries en espérant que Freya soit de bonne humeur ? Eh bien, maintenant que je sais où la trouver, oui, c'est exactement ce que je vais faire. Oh, merde ! Ne dis pas à Brock que j'ai juré. Ça lui ferait trop plaisir. Parler à Freya. Ça sent pas bon. Baldur a essayé de la tuer. Nous n'avions pas le choix. Pas sûr qu'elle le voit de cet œil. Je ne compte pas lui demander. Et puis, c'était tes flèches, après tout. Tu as parfaitement raison. C'est pourquoi je suggère vivement que nous ne le fassions pas. Reste de bête et cuir brut. Oh. Ça me semble compliqué. Ça me semble compliqué, cette histoire. Oh la vache! Incroyable ce qui se passe. Hop, toi. Voilà. Incroyable. Ok. Très bien. Allez, let's go! Attaquer les jarres enflammées, fait exploser et dégage des débris. Ok, ça j'avais compris. Je suis pas bête. Hein. On l'a vu. On a quelques heures de jeu. Ok, let's go. Et ben voilà. Aucun souci. Cette fois, j'ai eu mon compte de sensations pour la journée. Oh que non. On y est presque. C'est bien fait parce que là, Kratos ne gagne pas d'XP, ça c'est cool. Donc on est vraiment un personnage indépendant. C'est bien fait mais ça fait peur, tu vois. Ne fais pas l'enfant, je t'attraperai. Je te laisse pas tomber cette fois. Tu peux pas me frapper la plus belle armure du monde là. D'accord, alors passe entre les royaumes. Tu sais que ça ne marche pas comme ça. Même si je le regrette, par Vestla. Tu vois, c'était pas si terrible. Si c'est là ta question, j'espère que je n'aurai jamais à refaire ça. Okay. Mon atelier. De quoi ? Si je ne peux pas t'arrêter, alors je ne t'accompagnerai pas plus loin. Je vais rester et réparer tout ça. Comme tu veux. Oh oh. Ça sent pas bon, ça. On est tout seul à partir de maintenant. Ça fait peur. Ça fait peur de ouf. Atreus, pourquoi tu fais ça, petit coquelicot ? Tu es sûr de vouloir aller là-bas en portant la pointe de flèche qui a tué son fils ? Je la cacherai sous mes vêtements. Et puis, c'est un rappel. Il faut être meilleur. Ça sent pas bon. L'arme d'un meurtre fait de toi une meilleure personne ? Elle me donne du courage, d'accord ? Est-ce que c'est si mauvais ? Si cela te pousse à croire que tu peux convaincre Freya de quoi que ce soit, alors oui. Il faut que j'essaie. Ça fait peur cette petite connerie. Tire sur la jarre enflammée. Joli. Allez, okay. Continue. Bien ça. Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? On va passer par ici. Tu n'as même pas de plan. Brock dit qu'on s'en sort parfois mieux dans le chaos. Je suis assez d'accord.
Qu'est-ce qui te fait croire que c'est le cas ici? Tu risques ta vie? C'est le Ragnarok. Nous devons agir et on n'a plus d'options. Vivre! Vivre est une option. Kratos va le démonter, putain, j'ai trop peur. Non, par où se trouve le conseil? Si je continue à monter et à avancer, on va finir par tomber dessus. Oui, probablement. Ça fait peur. Ça fait très peur, les potes. Ok. Ça soit que ça et pas autre chose. Oh, ça sent pas bon cette bêtise. Attends. Ok, ça c'est pas mal. Une bonne chose de faite. Ça c'est pas mal. Ok. Let's go. Il est chaud Atreus en vrai, hein. Il peut faire du sale. Oh bien. Oh ça me plaît, ça me plaît. Allez, prochaine salle, on va pouvoir s'arrêter là. Les gars, je suis pas du tout pas du tout confiant de c'est jouer clair, vous voyez comme ça. Il serait furieux. Ah ouais, pas du tout confiant de jouer Atreus, hein. Si vous faisiez confiance, j'aurais pas à lui cacher des choses. Comment puis-je te faire confiance si tu me mens? En fait, je comprends l'ironie. Si au moins tu m'écoutais. Je pourrais dire la même chose. Bah, disons que j'ai de qui tenir. Tiens pas. Ok. Ok. Tiens pas. Ok. Et ok, let's go. Par contre, je récupère pas ma vie et ça c'est très embêtant. Tiens pas. Let's go. Bon, c'est plutôt pas trop mal, les amis. On va pouvoir s'arrêter là. Hop, on va monter. Je me demande ce que mère ferait. N'oubliez pas. Pas confiance. Pourquoi tu m'en parles pas? N'oubliez pas le j'aime et le commentaire. Je vous fais des bisous. Je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Et surtout, à très bientôt pour la suite de notre folle aventure, tout simplement. Bisous tout le monde. Bye bye.